diriger comportement à nous, mais c'est qui gens n'a fait des sacrifices. Et je crois que c'est des sacrifices énormes. Faire politique en Haïti, c'est un sacrifice énorme. Bon, pas mal dire pour femmes, ni pour femmes ni pour garçons. Bon, comme c'est plus garçons qui font politique en Haïti, mais je dis, en d'un pays d'Haïti, comme petit pays, et puis qui est pauvre, et un environnement de pauvreté, d'économie, de pauvreté, c'est au besoin un pile courage pour faire politique. Et puis, ou pas t'as besoin non plus de 15 années là-dedans, vraiment, ça. Ou pas t'as besoin de 15 années là-dedans. Mais tout simplement, parce que certaines fois, il faut que les gens qui prennent courage pour nous dire qu'il faut construire des partis politiques forts. Il faut renouveler cette société. Il faut. Parce que, non, il faut, on est capable de mettre des milliers, il faut. Parce que jeunesse pays d'Haïti besoin des modèles. Jeunesse pays d'Haïti besoin des mondes exemplaires pour permettre que nous capables d'y tête nous t'es fait 1804 mais nous calpide ouais parce que Alain Turnier t'es dit nous comment sommes nous arrivés là nous toujours répéter même quoi que je dis encore en 2020 si nous t'abaille si Alain Turnier t'es qu'à sortir dans tombé et t'as demandé nous arriver là parce que en pile dans nous pas prendre responsabilité nous en pile dans nous et quitter la peur parfois envahit nous. En pile dans nous, accepter n'importe quoi, des contours, aménagements. Bam, bam. Et ceci, n'importe qui monde qui a dit nous, ah, pour qui ça, c'est Haïti, pour ne pas aménager, accepter ça, c'est en Haïti, oui. En Haïti, nous, nous faisons accepter n'importe quoi. Et on dit n'importe quoi, tout, n'importe monde dit n'importe quoi à bouche li. Et j'en te dis dernièrement, une parole répétée devient vérité. Et puis, pas quelqu'un monde qui pourrait déconstruire parole qui répétait. Donc, moi, je crois que j'ai pris ma responsabilité, je me demande que société a pris responsabilité pâle pour que nous puissions renouveler la société. Ça. Que chaque monde. Pour responsabilité, par un moment que le nécessaire pour nous reconstruire le pays. Ouais. Très bien. Madame Bozil, un pile monde a analysé l'opposition politique en Haïti. Il a trouvé que il y a des gens qui utilisaient des adjectifs qualificatifs pour qualifier l'opposition. Pour dire son opposition qui est nulle, son opposition qui manquait fait travail, son opposition concombrette, son opposition par comprendre. Jodi, il y a un leader opposition qui c'est Moïse Jean-Charles. Li dit que c'est lui-même qui est leader. Et il y a plein de monde qui constate ça. Et il peut le montrer, nous, c'est lui-même qui est leader. Et il y a des gens qui dit tout, même si vous avez mis tout l'autre monde qui est en opposition ensemble, il n'y a pas de bail Moïse Jean-Charles en termes de monde qui gagne, monde derrière. Ou même en tant que femme qui n'a mis tant, pas qu'être M. Sayo qui a fait politique, est-ce qu'on a une lecture qui est différente de sa mounio pensée et de ça, Moïse Jean-Charles lui-même n'y comprend et le dit. Est-ce qu'on a une lecture qui est différente? Non, je vais parler de Haïti. Pour moi, dit que Haïti a besoin que nous construisions des partis politiques. Dans les mêmes, pour moi, dit que moi-même, j'ai engagé ma 25 ans. Très tôt pour m'intégrer un parti politique qui n'a jamais changé, qui n'a jamais changé ligne. Moi, rentré dans Pampra, flèche ou black ou rouge là. Moi, rentré là-dedans très jeune. Moi, venu élu député là-dedans, mais élu sénateur là-dedans. Matin, je tombé sur un texte qui est écrit en août 1988. Dans le parti que je suis là-dedans, le parti que Serge Gilles était coordonnateur. Et puis, moi, ouais, Serge Gilles qui a fait le plaidoyer pour les partis politiques, mais plaidoyer pour un dialogue sincère, un dialogue qui gagne pour bailler résultat pour changer la vie du peuple. Là. Août 1988. Je dis à pour nous apprendre à parler de partis politiques, pour ne pas parler d'individus, parce que c'est ça nous fait tout le temps, et en pile fois, les mêmes pays, dans le tchouboum que l'IA. Hein. Et je pense que les leaders d'opinion, ils ont fait un pile d'efforts sur ça. Un pile d'efforts pour que, parce que moi, je crois que dans ce sens, tout, nous devons construire des monstres dans le pays qui fait payer un pile d'or. Sans le savoir et sans le vouloir, dans le mode de faire, dans le mode d'agir, dans le mode de conduction d'entrevue que nous avons fait avec des leaders politiques. Et puis, nous avons construit des monstres et que la société a. Qui manquait formation idéologique. Peuple haïtien besoin, yo façonné peuple haïtien
pour ne pas rentrer dans le parti politique. De manière à ce que pour nous capables toujours encenser un grain de sel, un monde. Et qui a sorti de nulle part et qui a venu et prend poste responsabilité dans le pays. Hein. Moi-même, en tant que présidente de parti politique, moi voulais encourager jeunesse pays faire recherche sur chaque monde qui a fait politique dans le pays. Hein. Ou même prendre recul pas. Pas quitter personne façonner, genre ou même ou comprendre yon moun ou bien un parti politique. Prends un petit temps. Jeunesse universitaire, là, c'est vrai qu'il y a des gens, tout le monde qui a attendu là, capable pas universitaire. Mais maintenant, je me demande, prends un petit recul pour capable faire analyse ou même. Analyser pour qui société ça, j'en li là. Pour qui nous arriver dans j'en li là, pour dire, l'homme parlait de renouvellement société, m'a parlé de renouvellement parti politique, m'a parlé de renouvellement journaliste, surtout, m'a parlé de renouvellement dans l'église, yo, l'église catholique, l'église protestante, m'a parlé de renouvellement dans les médias. Nous avons besoin de changer société ya, pour permettre que le halte là, que Edmond Supplice Bozy l'a dit tout le temps, il faut un halte là. Il faut un halte là pour que nous disions, écoute, si même après prêter à l'Alba, bon. Si même en pointe à li pas bon, faut que moi construis une autre société. Écoute, si moi mon après le tomber dans baranque et puis qu'on y a là m'a dit ou mettre aller route la belle, continuer là-dedans et puis finalement on pourrait le tomber dans baranque là parce que t'es manqué monde qui a vision avec lumière pour t'empêcher mon yo tomber dans baranque ça. Moi même dit baranque mon plateau central qui aime utiliser mon baranque là mais pas connait qui j'ai l'autre monde dit et pas comme ça nous dit dans baranque tomber dans trou pas tomber dans trou tomber dans trou mais maintenant moi même et la question posée donc moi j'ai répondu à ma manière à la question que vous aviez posée pour dire que je suis présidente du parti Fusion et je suis fière de l'être. Madame Mouzil, oui. Bon, pratiquement gagnons vos poches qu'on fait à la presse d'une manière générale. Et question pour que nous puissions mettre accent sur les partis politiques en lieu de place des individus. Mais ici, généralement, c'est le débat, certainement dans la contradiction acceptée que nous toujours fait dire. Et ça fait ici, aujourd'hui, c'est le lieu d'apprentissage politique de la démocratie, le lieu d'apprentissage par excellence de la démocratie, puisque nous, quatre, ça nous toujours croyons dans la contradiction, nous tolérons, etc. Mais moi, je crois que, tellement qu'on parle de questions parties ici, et moi, j'ai toujours évoqué problèmes structurels qui sont au sein des partis politiques. Et c'est un constat. Ouais. Absence de la démocratie réelle, dans le sens que il y a le monde qui toujours veut qu'il y ait des partis à vie. C'est la première faiblesse que nous constatons dans le parti politique en Haïti. Division qui gagne dans le parti. Par exemple, j'ai dernier congrès que Fusion fait, le parti a divisé, l'autre monde a fait, l'autre si parti pas yo. Donc ça veut dire sans problème. Et il n'est pas différent. Nous-mêmes, nous toujours encourager le monde pour aller dans le parti, même si nous constatons au niveau de la société, gagner par une pulsion de parti politique. Et donc, gagner en absence de. On manque de confiance de la part des jeunes, parce qu'ils n'ont pas l'avenir vraiment dans le parti. Vous avez dit, on ne connaît pas, c'est vrai. Nous, c'est un reproche général. Mm-hmm. Mais nous-mêmes, on a, ici, a, nous toujours parler de parti politique. Merci. Donc, n'empêche que. Et parti, toujours gagner, c'est des leaders qui mènent. Il y a des porteurs de parole. Par exemple, je dis à son monde, par contre, et il y a des statuts, fusion comme on dit, et son monde qui porte des paroles là. C'est peut-être en ce sens que moi crois que et mon ami, mon frère de Las Carobas, il pose une question qui a un rapport, bien sûr, avec une structure, mais avec monde qui porte des paroles là. Donc, moi, c'est certainement, si il y a un groupe de journalistes, parce qu'on est capable d'encourager l'individu, nous-mêmes ici, à nous parler du parti. Moi, je voulais faire pour ça. Merci beaucoup, Val. Non, mais moi, je suis content de sortir, Val. Et moi, je suis content de sortir, et moi, je suis conscient. Moi, même,
chaque jour, je cherche une radio qui est d'accord pour me faire une émission sur l'histoire du parti politique en Haïti. Moi, beaucoup de gens m'ont invité sur ça. Moi, je pensais que mon travail, avocat, au fait l'infusion. Mais Robert Bozil, surtout, font travail de recherche sur l'histoire du parti politique en Haïti. Même d'ailleurs, je vais inviter M. Robert Bozil pour que, ou bien M. Mozart Clérisson, qui est porte-parole fusion, d'ailleurs, mais que nous, on a un espace pour nous parler de l'histoire du parti politique en Haïti. Et là, ça, on va comprendre pour quelle raison. Questionnement, gain tout à l'heure faiblesse qu'on parle dans parti. Faiblesse n'a parlé dans parti, songez tout à l'heure me parler de renouvellement de la société. Et qui côté sorti val non famille, maman, papa. Alors val, ou voulez dire ou gain frère et sœur ou pas chambre fâché avec yo? Oui, certainement. Certainement. Ça veut dire que si dans nos cellules nucléaires, maman, papa, petit a fâché. Nous avons une semaine, nous ne pouvons pas parler. Nous avons un mois, nous ne pouvons pas parler. En d'un foyer, en d'un famille. Non? Donc, ça veut dire que dire de des gens qui sont d'horizons divers, qui viennent rencontrer parce que ils ont dit qu'ils ont les mêmes valeurs idéologiques, et qu'ils ont mis tête ensemble, et puis ils ont fait un parti politique. Mais c'est normal qu'il y ait une division en dedans. Et c'est normal tout qu'il y ait une erreur qui commet par un leader ou plusieurs leaders en dedans direction. Et ma prémette Serge qui m'a dit que c'est persister dans une erreur qui est diabolique. Mais qu'il y ait une erreur ou qu'il tombe, mais ou lever et pour mettre dans la main pour continuer. Moi, je pense que ça, on dit son leur cité fusion, et pas seulement fusion, on regarde Saint-Domingue, je dis. Alors, donc, prends un exemple. Oui, on prend PRM, PRD, PRM, PRM qui sorti dans PRD. Parti socialiste dominicain sorti tout en de PRD que a tout des camps tap dirigé. Jodi Aminader élu en de PRM et PRD effectivement le prend gros coup parce que en dedans il y a trois partis qui sorti. Donc et c'est vrai il y a plus que 80 années d'existence parce que 90 ans depuis existé. Yo plus grand passé nos 2000 coudés nous-mêmes nous gain 15 ans. Donc ça veut dire que comme fusion gain 15 ans et que li prend premier frappe, li son premier frappe qui ban nous plus courage pour que nous ressouder nous entre nous. Même parce que plus que jamais parti fusion ressouder entre nous-mêmes. Bon là moi-même moi pensé nous 2 ans et demi moins que 2 ans et demi dans tête fusion. Et là, je demande tout le monde, depuis qu'on y a, toute semaine, on a fait débat. Et il y a des gens qui disent trop tôt pour qu'ils soient faire débat. Je me dis, dès maintenant, il faut commencer le débat. Ça, tu as tes deux mandats. Madame, pour le finir là, il faut que les gens qui commencent à candidat. Ou pas qu'à candidat, parce qu'on ne peut pas intégrer. Ou pas qu'à intégrer. Donc, je demande tout le monde qui veut et candidat dans la fusion. Je dis, on commence à préparer. Parce que je pense que bientôt, nous pourrons commencer à faire congrès. Régionaux, pour que les gens qui sont candidats soient capables de mener la campagne, parce que moi, madame fini et moi, campé. Je vais prendre un poste, n'importe l'autre poste, secrétaire national, un autre poste, vice-président, baronne, mais je suis candidat quand même pour l'autre poste, dans un autre niveau. En tout cas, c'est bonne nouvelle. Mais madame, moi, crois que c'est Jodia et aussi membre de direction politique de l'opposition démocratique. Maintenant, comment structure, nouvelle structure ça, et qui ça nous attend de lit? C'est-à-dire, pour faire progresser les choses. Puisque l'homme dit pour faire progresser les choses, c'est justement, on est en situation d'extrémisation de l'opposition, côté que l'opposition politique l'a dit, pas de dialogue, et pouvoir de son côté l'a dit, c'est le dialogue, et nous sommes en démocratie. Comment, et puisque vous êtes membre et direction, comment direction ouais bagayou qui ça ne pensait qu'on devrait aller campagne dans ses propos introductifs peut à dire que et qu'il y a une division dans l'opposition et quand même c'est content qu'on pose des questions j'en pose là il faut saluer aussi cette conférence de presse du jeudi dernier qui consacrait la mise en place de la direction politique de l'opposition. Moi je pense que son histoire historique historique dans la mesure où nous sommes en 2019 avec deux groupes. Certaines fois, on a l'impression qu'il y en a en opposition avec l'autre. Bon, bien entendu, c'est vrai que Macadim t'es senti ça, mais certaines fois, on a une réplique à Yotou, on a mal, parfois, il y a une incompréhension, une attitude, une stratégie. Bon, c'est vrai, si je suis dans le même groupe politique, bon, si je travaille dans ce groupe, je suis une attitude par rapport à où va, vous comprenez? Donc, nous avons deux démarches différentes, démarches marché contraire et démarches secteur démocratique et allié. C'était deux tendances différentes, nous n'avons pas de travail ensemble, nous n'avons pas de faire politique ensemble.
Et depuis mai, nous commençons à faire réunion ensemble par Zoom. Et de mai à octobre, nous faisons un pile route ensemble. Et certaines fois, on m'a dit, mais pourquoi ça ne va pas travailler ensemble depuis 2019? Allez, on est plus loin. Donc, moi-même, je dis, et mon secteur démocratique est allié, un gros coup de chapeau, un gros coup de chapeau, et m'a dit, pour que faut que nous soudions plus pour nous capables de faire route là, ensemble. Et mon marché contre est allié, tout, m'a dit, bravo, est-ce que nous toutes, nous acceptons pour nous faire. Dans une direction collective, comment pas collective, donc on a réalisé. Direction électorale. Non. Transitionnelle. Non, dans un leadership collectif. Ok. Dans un leadership collectif, nous mettons tête nous ensemble pour que nous dit pour nous gérer ça la vivre qu'on y a, analyser comment sortir de cette crise et regarder le côté structurel après. Donc, et parti homme parce que nous connaissons déjà ou te poser une question en dehors de micro c'est nous gagnons la Atibolite en action, nous gagnons fusion, nous gagnons OPL Mokrena Vérité Veyeyo et Uniforce Unité, c'est toute partie ça qui constituait et direction politique opposition, hein? Mais nous te prenons précaution pour nous dire que nous l'ouvrions pour nous parler avec les gens qui sont dans le secteur société civile là, qui sont dans le secteur privé, qui sont dans et l'autre parti politique, la structure politique, toute structure politique qui est en opposition pas là-dedans, mais nous avons dit que les partis majeurs de l'opposition, ils ont une direction politique ça, mais ils auraient été ouverts pour aller vers les autres. Pour aller vers les autres et puis ensemble. Parce que dans la fusion, on a toujours dit, on bagaille, en quel parti politique, dans l'État, nous y est là, dans l'État société, nous sommes malades là, en quel parti politique, pas qu'à prétendre pour contre que les capoter solution pour le pays. Nous toujours croyons qu'il faut aller vers les autres, il faut dialoguer avec les autres. Nous-mêmes, dans la direction politique, ça, avant que nous te mettions tête nous dehors pour te ouais nous et publiquement, mais nous avons pile travail que nous faisons déjà. Nous faisons déclaration d'engagement ensemble avec d'autres. Nous travaillons et nous mettons comité en place qui ramassait toute proposition de sortie de crise qui était gagnée en 2019. Nous pas besoin qu'on qui monde qui était fait, nous cherchons online, nous prenons toutes et puis nous faisons réunion autour de eux pour nous capables de faire une compilation pour nous gagner une proposition de sortie de crise. Ça c'est le travail que nous baillons tête nous on fait déjà. Mais cette proposition n'est pas encore rendue publique. Nous gagnons que non, c'est lui-même que n'a pas gagné pour aller vers les autres, pas avec les mains vides. On ira vers les autres avec un travail et de compilation qui a été fait et pour nous capables nous-mêmes parfois tout faire consensus, retirer ça de envie imposer et faire un petit bac des santé quoi pour permettre que d'aller vers les autres avec ce document. Élections pour aller vers les élections, vers la transition. Va bien quand on parle vers les élections. En tant que même son démocrate, si on ne parle pas de nominatif du tout, ça quelqu'un me toujours dit au monde là où il y a mettre de bon poste nominatif ou mettre diamanti val. Ou mettre diamanti parce que moi-même pas qu'on aime pas que j'aime faire. Beaucoup j'aime faire quel poste dans l'État que professeur. Mais t'es nommé comme professeur lycée jeune fille et lycée Daniel Fignolé dans l'État et seul pour ça. Oui, mais deux postes professeur dans deux lycées. Et moi c'est ancien élève, vous devez attendre là. Donc moi à part ça c'est dans l'élection malé. Malement des peuples là, ça le pensait. Donc, de toute façon, vous dites que la direction va aller vers la direction électorale. Écoute-moi, la direction politique, nous c'est des politiques et nous c'est des démocrates. Nous croyons, nous on vient à l'élection. Mais écoutez bien, madame Bouzi. Oui, je vais répondre. Nous on vient, oui, campagne, on a souffert longtemps parce que Val prend encore, non. Oui, mais cette question-là est intéressante, pas Val. Mais comment pour direction politique là-bas dans l'élection? Oui, nous on vient à l'élection. Mais nous avons un pouvoir qui ne peut pas réaliser l'élection.
Je suis un pouvoir qui n'a pas ni crédibilité, qui n'est pas capable. Et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Ça veut dire que, oui, nous avons réfléchi comment pour élection, bonne élection faite dans le pays. Qui gens pour gagner un bon CEP qui est établi et pour permettre que nous ayons l'élection pendant que nous travaillons pour nous et avancer vers la fin du mandat du président Jovenel Moïse le 7 février 2021. Voilà. Maintenant, direction politique de l'opposition. Sauf que je n'ai pas remarqué qu'il y a un mouvement, parce que moi, il y a un mouvement politique en Haïti qui a fait audio. Pourquoi remarquer présence de mouvement? Maintenant, qui trois grandes priorités direction politique de l'opposition a gagné, puisque c'est un ensemble de partis politiques qui me supposait gagner trois grandes priorités qui axent en dedans un grand projet de société. Donc, qui trois grandes priorités que nous avons à ce moment-là? Secteur démocratique et allié, c'est une organisation politique. Okay? Bon, c'est un mouvement, mais c'est une organisation politique. Okay. Et puis les autres sont des partis politiques. Okay. Donc, madame, quelle priorité nous? Première priorité que nous avons, c'est de joindre bout à crise. Maintenant, nous avons été nos objectifs pour nous joindre bout à crise. Là, nous avons marché à rencontrer d'autres acteurs. Les mouvements dont vous parlez. Okay. Nous dit. Il faut aller vers des acteurs de la société civile, vers des acteurs comme Petro Challenger, comme nous Pape Dormi, et un gros mouvement qui était fait dans le jardin Kiskeya, c'est avec une pile organisation qui était signée, ou l'autre déclaration encore avec Lionel Trouillot et consorts. Donc, il y a un pile. Initiative qui prend. Mais nous sommes des politiques, nous avons réfléchi comme politique pour nous d'accord mettre qui solution politique pays a besoin. C'est vrai que nous ne sommes pas capables d'imposer société à solution, pas nous, et nous concernons ça. Donc c'est pour ça que nous avons été un objectif ouverture. Nous ouverts pour nous faire ouverture vers les autres. D'accord, très bien. Ouverture vers les autres, nous allons vers les autres, mais entendu, même toujours dit. Vers le pouvoir aussi. Et je préférerais parler vers les partis politiques parce que vers les organisations qui sont dans l'opposition. Voilà. Nous sommes la direction politique de l'opposition, pas oublier ça. Maintenant, si on dit vers le pouvoir, je n'ai pas de problème, non, vous me dites que je vais aller vers le pouvoir. Vers l'opposition. C'est de l'opposition. Non, mais vers le de l'opposition démocratique. Non, c'est dans le non, sens. Non, les dîmes vers le pouvoir c'est aussi. Dans le sens qu'aujourd'hui, le pouvoir est en quête. Des partis politiques. Qui ont fait connaître ça, Lyon? Okay. Écoutez bien, parce que c'est ça, Yodi. Qui Yodi a cherché, dialogué. Okay. Et porte-là toujours ouvert. Okay. Maintenant, okay. Est-ce que l'un a constaté, pouvoir dire, l'a cherché, dialogué avec un parti d'opposition. Gagné un branche dans l'opposition qui dit, jamais ça n'a pas arrivé fait. Maintenant, Kounéen, puisqu'il y a la direction, avec la création de la direction politique de l'opposition, des partis de l'opposition, est-ce que nous-mêmes dialogue ça, ouverture ça que nous gagnons, si pouvoir en place, ça vient dialoguer avec nous, est-ce que nous avons refusé ou bien n'a pas accepté de dialoguer? Moi-même, je dis que lorsqu'on parle de dialogue, on connaît que l'on a ADN. Moi. Dialogue dans ADN moi, en tant que social-démocrate, parce que c'est ça qui, c'est valeur ça. Yo. Nous croyons que toujours, 20 fois sur le métier, il faut que nous dialoguer. Mais maintenant, mais toujours mettre un petit bémol. Mais moi là, c'est que ou invité moi vienne parler avant campagne Eval. Mais si vous pas invité moi pas venir dans plateau voilà. Est-ce que d'accord avec il faut toujours être deux pour danser le tango. En 2019 jusqu'à mars avril 2019, des partis politiques de l'opposition ont tenté nous avons pris l'initiative d'élaborer un document pour nous expliquer mais qui marche à suivre, qui doit que gouvernement doit prendre. Ce document a été envoyé au président Jovenel Moïse. Nous avons tout fait. Nous avons fait le plaidoyer pour sensibiliser d'autres acteurs qui n'étaient pas dans la démarche marché contre, par exemple. Nous avons fait tout ça. Nous allons dans Mayotte avec le secteur démocratique et populaire et d'autres forces politiques ensemble pour proposer un accord politique. Maintenant, tout ceci, c'était dans une dynamique de discuter avec le pouvoir en place. Il y a des gens qui disent « Ah, je ne pas comprendre puisque je ne peux pas avancer, je ne pas comprendre qui ça pouvoir avoir fait. » Malgré tout, il y a des gens qui disent, OK, on va poursuivre, on va chez le nonce pour voir comment est-ce qu'ils sont de bonne foi, ceux du pouvoir. Nous avons constaté que les gens du pouvoir ne sont pas de bonne foi.
Ils ne sont pas sincères. Et je voulais pour nous comprendre ça, parce que, ou même au cap journaliste, ou pas vivre, ou pas sur côté table là. Mais nous étions, même si c'est pas Edmond, mais des acteurs de l'opposition qui, aujourd'hui, sont présents dans la direction politique, opposition, hein, nous étions sous bord une table à discuter pour nous dire, il y a nécessité d'un accord politique. Mais ceux du pouvoir ne le souhaitent pas vraiment. Ils ne sont pas sincères. Mais aujourd'hui, moi-même, je m'a dit, oh, par rapport à la réponse, je me demande si nous disons que c'est opposition démocratique, est-ce que nous avons parlé à tout le monde? Nous sommes prêts pour nous parler à tout le monde. Mais s'agissant du pouvoir, Jovenel Moïse doit faire un acte, un préalable inévitable, la respecter la Constitution. Il est d'accord, mandat fini. 7 février 2021. Là, ça a facilité les choses et c'est normal. C'est dans, plus le que... contraire, dans le cas contraire, si, mais nommé... si 2021, il n'est pas allé. Ah, mais, écoute, c'est ça qui a passé. Si sa direction prévoit fait. Bon, je pense que là, moi, dans une lutte politique, moi, tu as souhaité que Haïti vienne bien vite. En reprendre position en dans chaque démocratique qui établit que nous sommes membres OEA, nous sommes membres Nations Unies. Et Haïti sorti dans la ligne démocratique là, à partir du moment que Jovenel Moïse n'a pas organisé élection en 2017 pour tirer le Sénat, en 2019 pour deuxième tirer le Sénat, pour toute l'autre élection nous compiler, il y a 7 en tout. À partir du moment qu'il n'a pas organisé élection ça, nous deux, toute norme démocratique qui doit régir le pays. Parce que l'organisation internationale est consciente de ça. Et maintenant, par rapport au fait que le pouvoir qu'il a aujourd'hui, hein, montrer qu'il est capable, il n'est pas qu'à réaliser l'élection et il n'est pas qu'à réaliser l'élection. Mm-hmm. C'est un fait. Mm-hmm. Tout organisme international a parlé aujourd'hui si l'élection est techniquement possible. Mais nous-mêmes, comme parti politique, nous dit qu'il est techniquement possible, mais qu'il y a un environnement tout qui peut créer pour l'élection en fait. C'est pas moi qui dis, lui. C'est les organismes des droits humains qui mènent l'enquête, qui montrent que les gangs sont à la solde de ce pouvoir. Alors, il y a un pouvoir qui a encouragé le banditisme en Haïti, qui met des armes dans mes gangs. Il y a un pouvoir qui a des munitions à gangs. Et puis, pouvoir ça. Ok, on a un exemple. On a un exemple Zawuzeski avec Lech Walesa. Les Valais qui en Pologne était en tête au mouvement syndicaliste et qui était d'accord, oui, à discuter avec les Valais ça sous sang. Mais contexte pas en Haïti ya. Le bras droit les Valais ça était mort et pas de pouvoir donc tu voyais tuer bras droit. C'est propre quand tu voyais tuer qui t'a tué pour dire me pas voulait pour aller dans dialogue, là dans dialogue quand même. Mais maintenant général là t'a montré bonne foi, il t'a dit li ouvert et ça qui sorti dans le dialogue là, la respecte. Mais je dis à Jovenel Moïse, qui moun kap fait confiance pour dire la respecte quoi que ce soit qui a sorti dans le dialogue. En tout cas, nous-mêmes, dans l'opposition démocratique là, nous croyons que Jovenel Moïse pas qu'à respecter parole li. Donc, seul pas qu'à pour le faire devant la nation, hein, pour empêcher que nous rentrions dans la crise globale, le nappement de ça qui a passé cette février 2021, Jovenel Moïse pas qu'à réponse, pas qu'à mettre sous conscience, li, parce que m'espérer que l'État content était dans le pays d'Haïti. Ou après démission, Jovenel Moïse, je ne sais pas quoi qu'on t'a remis à l'exil, je ne sais pas quoi qu'on t'a remis vivre dans le pays. Mais conseil, comme Mkabaou, comme aîné, comme pression, comme politique. C'est pas une menace, non? Non. Conseil comme tabay président qui a que ça me cabaye menace c'est non. moi même cette dialectique seulement qu'on utilise parce que tout le monde a dit comme soit haïtien non moi dit ils sont haïtiens ils pas capable qui écoute Jovenel Moïse pas innocent il pas capable dire que pas comprendre que écoute me pense ma radioscope deux pieds dans terre là nous chaque qui là nous pas dire chaque on a porté la canne qu'on a sauté. Nous, chaque qui là nous pas dire comme ça que les sont si c'est sous machine nous ou en motocyclette passer bon qu'on va sauter. Pour moun la capitaine d'émission cap dim li dormi sous l'oriel à l'aise et que li monte machine la lakay ou mon moto c'est qu'à l'aise la lakay tout monde sur le qui vive. Mais parce que situation politique ça li est vivable, li est vivable parce que li est vivable pour moun qui sous pouvoir yo, même si yo senti yo à l'aise, li est vivable pour moi, li est vivable pour vous. Donc dans sens ça moi pense que Jovenel Moïse si bon on bagay que me t'a mandé tout monde qui sous pouvoir le respect de la constitution ou t'es prêté serment sur constitution. Moi même quoi qu'on pas gain aucun autre bagaille là pour le moment pour faire. Prends courage à deux bras, dis-moi conscient pays a pas qu'à continuer comme ça. Avec multiplication de gangs et de armes que y a recevoir, pays a impraticable. Madame Bozil. Donc ou gain un geste pour faire et c'est préalable ça.
Mais même moi pas connais si gen dialogue en ligne, c'est vous même qui dit ça campagne. Moi pas connais gen dialogue campagne. Gen dialogue en opposition. Oui, nous sommes en dialogue à l'intérieur de l'opposition. Mais maintenant, moi pas connais que gen aucune instance dans l'autre dans pays a qui enclencher un processus de dialogue pour nous capables de jouer une solution de sortie de crise. Très bien. Madame Rosil, qui avenir direction politique de des partis de l'opposition dans la mesure où Jovenel Moïse t'a continué sous pouvoir jusqu'à 2022, Jean nous souhaitait, enfin, direction souhaitait pour l'allier en 2021, dans la mesure où il continuait jusqu'à 2022 et pas gagné en transition et prêt à gagner en élection, est-ce que avenir direction politique ça a, pas dépendre de décision qui pourrait le prendre, soit pour nous faire faisceau des leader, un candidat par exemple à la présidence, et puis vous nous dites direction ça, qui c'est un ensemble de partis politiques, nous pourrons supporter un candidat à la présidence, et une manière pour nous éviter nous tomber dans ça déjà, qui c'est même parti au pouvoir renouveler tête, puisque déjà parti opposition, hein, pas pour supporter les gens qui n'ont pouvoir comme candidat. Nous pouvons en faire ça pour le moment, nous pouvons en élection. Même penser, nous ne pouvons pas garder du vingène seulement, nous garder très loin. Oui, je suis d'accord, il ne faut pas réfléchir à la petite semaine, il faut regarder le moyen terme et le long terme. Voilà. Et moi-même, m'a dit que sur le court terme, c'est comment résoudre cette crise. Sur le court terme, le mandat de Jovenel Moïse arrive, il a privé dans Boutli, 7 février 2021. Comment maintenant nous mettre d'accord entre les différents secteurs pour assurer cette transition? Pour que nous décidions effectivement, mes amis, Haïti méritait mieux. Moi, toujours dire que cette terre que les ancêtres nous ont légué, nous sommes des enfants bâtards de Dessalines. Et moi, toujours dire que faut que nous dépassions, nous faut faire plus. Faut faire plus que Toussaint t'a fait, plus que Dessalines, Pétion t'a fait. Faut Jean, monsieur, monsieur, dame. Donc, moi-même, c'est pour ça que je me crois que dans le long terme, on va parler. Hein? Dans le court terme, c'est la solution. Crise non et concertation continue, concertation pour nous capables de mettre d'accord comment nous allons mettre la transition en place. Dans le moyen terme, c'est la gestion de cette transition et la préparation du dialogue national, la préparation des élections générales. Ça, c'est le moyen terme. Maintenant, le long terme, c'est qui j'en pral fait face carré à moun qui gampile l'argent. Qui pral dans l'élection tout, comment nous-mêmes dans l'opposition, est-ce que nous pral voir 20 candidats encore? Je pense que c'est sauve les dîmes. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous avez préoccupation ça. Vous avez posé une question ça déjà. Et que et plusieurs journalistes je crois que, qui font une mission avec vous, préoccupés, parce que tout citoyen a visé, préoccupés tout par ces multitudes de sigles qui existent dans le pays. Val, dans mon petit temps pour qu'on ait que nous avons une multitude de sigles, nous manquons de partis politiques. Il n'y a pas grand pile parti politique. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous avons demandé nos services ça. Tout le monde a parlé de ça, parlé de lui. Nous avons besoin des partis politiques réels et forts, structurés dans le pays pour nous capables d'encourager les jeunes à venir inscrits. Moi-même, encourager tous les jeunes parce que nous avons une fusion à venir inscrits. Donc, sur le long terme, je dis que l'avenir direction, ça me souhaitait. Bon débat qui était commencé fait entre partis politiques dans les marches marchées contre eux. Débat qui était commencé fait là, c'est commencé par ouais, comment nous continuons d'avancer ensemble. Moi, je pense que c'est trop tôt pour me dire qui côté nous arriver. Tant pour ouais, nous continuons à garder bon côté panne avec groupe parti Sayo. Comment laisse ça en mesure pour nous expliquer, pour nous parler de l'avenir de cette direction politique. Mais très bien. Mais nous allons continuer à travailler ensemble et je crois que pour le moment, nous souder et nous aller dans la même direction. Donc, en fait, vous pensez que l'avenir, il faut que tu aies un petit temps, pour réfléchir, pour que tu aies un détail plus sur l'avenir, direction ça? Donc, l'avenir, direction, c'est clair. Mais bon objectif que nous baillons tête, nous. Selon objectif que nous baillons tête, nous, moins bas aux trois phases, parce que bien clarifié pour et campagne, et moins dit que nous travaillons ensemble, et puis nous prenons goumet pour la transition de rupture ensemble. D'accord. Et Walter. Donc, nous bien content, Madame Bozil, que. Nous te pour partir à qui Jean pas beaucoup de questions mais nous même nous continuer sur même la CIA pour nous
Non, mais expliquez nous. Non, 184. Est-ce que fusion ou bien l'opposition pas soutenu le groupe 184 dans le cadre de manifestation et pour le départ Jean-Baptiste Aristide? Et l'opposition haïtienne, en contemplant parler de parti politique, nous partait en dans 184. Moi, je bat là-dedans. Je bat là-dedans et moi, je songeais que je n'étais pas active politiquement par rapport à un poste que je m'étais occupé, mais je m'étais pris un mois de congé uniquement pour participer à la manifestation contre Aristide. Okay. Donc, ça veut dire que les luttes là juste, je crois que tout citoyen responsable doit rentrer là-dedans. Maintenant, je ne sais pas qui côté voulait arriver, mais je vais prendre une deuxième question. Non, c'est pas côté voulait arriver, ça arrive. C'est qu'en fait, l'opposition avec 184 sociétés civiles, etc., était dans le mouvement anti-Aristide là. Donc c'était pour jeter Aristide, pour capable venir avec une nouvelle vision, avec changement. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est le même mouvement de l'opposition pour demander, exiger le départ de Jovenel Moïse, mais pour arriver à quoi? Est-ce que c'est pas même bagarre qui parle passé encore? Est-ce que dans l'analyse où il y a un changement de cap qui fait, qui après nous espérer, c'est pas même situation que nous allons vivre? Et moi comprends, nous, m'a dit que gagner parti politique certainement, organisation de société civile qui était autour de table post-départ Jean-Bertrand Aristide, et maintenant premier ministre qui pouvoir qui vient là, et puis c'est pas eux-mêmes qui étaient dans le pouvoir. Mm-hmm. Pour être capable d'orienter et mettre changement qui était nécessaire. Je dis, moi ça m'a dit, c'est que nous-mêmes, partis politiques, nous disons qu'il faut tirer leçon du passé. Nous ne pouvons pas tout le temps répéter les mêmes erreurs. Il faut tirer leçon du passé et en pile monde à répéter. Il faut nous mettre bout dans le système. Il faut nous changer le système. On dit encore, il faut en transition, la dernière transition. Mm-hmm. Mais même, je crois que nous-mêmes, comme partis politiques, je parle de direction politique, il y a une réflexion que nous avons fait déjà entre mars. Entre mai, excusez-moi, et maintenant, nous avons travaillé sur une réflexion de manière pédagogique, c'est quoi la rupture. Et nous avons un document, et pense que faut nous avons dit qu'il faut nous revisiter, que nous avons élaboré pour que nous ayons plus et pour nous plus étoffer, pour nous expliquer la population sacrée les ruptures. Là. Mm-hmm. Parce que en plus, mon cap répéter, les vins, tout le monde répéter. Oui, il faut qu'il y ait une rupture. Mais au fond, on va demander est-ce que mon cap dit une rupture là, les comprendre que ça s'appelle une rupture. Est-ce que nous tirons leçon de bataille du Téménien? Parce qu'en fait, une question qui est de voler. Est-ce que nous tirons leçon premièrement de bataille là, qui cible de changement à faire la donne par rapport à Jovenel là, parce que c'est presque même là, président là, et puis nous demander d'aller. Deuxième bataille qui gagne. Comment aujourd'hui solliciter ou s'attabler avec le parti de Famille Lavalas que nous-mêmes, nous avons demandé à Aristide Alia. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de Famille Lavalas? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de Famille Lavalas ou bien est-ce qu'il y a un changement de structure? Ceux qui sont voulus poser clair pour me comprendre, pour me répondre. Non, parce que Famille Lavalas sont parti politique, je ne peux pas parler pour lui. Non, ce n'est pas pour parler pour lui. Ah. C'est-à-dire, si nous avons bataille contre Famille Lavalas, jamais été Aristide. On avait dit, nous t'es reproché une série de bagages. Mm-hmm. Maintenant, Aristide tombé, Aristide allait, changement pas arrivé. C'est une minorité, un cupide et égoïste, qui saisit le pouvoir et puis qui prend le pouvoir contrôle, qui fait l'assiette au beurre, le pouvoir et ses avantages. Maintenant, aujourd'hui, même opposition, hein, évidemment, il y a des partis patadan qui viennent à Tiadan, il a demandé pour un président aller. Kounia, dans la même opposition, ça, il a fait alliance avec Famille Lavalas. Que vous-même vous demandez pour aller. D'abord, est-ce sacrifié? Est-ce que j'ai dit à nous remarquer que nous défaillons une affaire Famille Lavalas, nous obligez de prendre, vous mettez avec nous? Ou du moins, j'ai dit à nous-mêmes, nous sommes mûrs, nous faisons une bataille inclusive de façon à ce que nous renversions Jovenel et nous-mêmes nous prenons le pouvoir. Parce que l'intérêt de la récidive, nous prenons le pouvoir nous-mêmes. Certainement. Maintenant, moi-même, je me dis au Gary que tout à l'heure, dans la réponse que je me débat, direction politique de l'opposition qui mettait en place ouvert pour aller vers les autres, dont Famille Lavalas. Justement. Dont Famille Lavalas, bien entendu, nous pourquoi, depuis direction sortie, nous pas parler avec eux. Mais c'est une démarche que nous devons faire. Maintenant, nous ne pouvons pas le contraindre, nous-mêmes dans la direction politique, nous ne pouvons pas le contraindre, nous pouvons dire obligé
venir dans la direction politique. Là. Mm-hmm. C'est si vous voulez. Mais c'est une démarche. Okay. Nous l'ouvrons pour ça. Mm-hmm. Mais nous pouvons faire. Parce que nous devons pour comprendre que la démarche là, pourquoi fait. Mm-hmm. Mais nous, les neuf partis, nous pensons qu'on connaît neuf partis qui ont la démarche. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y en a une erreur que nous fait après le départ des Duvalier, c'est la constitution qui dit ma coupe pas. Pardon. L'autre erreur qui fait en 2004, c'est que la valasse pas la dame. Mm-hmm. Nous fait même erreur, et c'est pour ça que je dis, on nous dit, si m'a gagné un dialogue national, PHTK a plané. Inévitablement. Mm-hmm. Si pour PHTK est allié, pas qu'à un dialogue national, et puis vous dites que vous, c'est à y séparer, moi, vous m'a voué dans la mer. Donc c'est soit des besoins qu'on est gagné. Non, non, c'est pas. M'a pas qu'à voué. C'est pas ça, m'a qu'à marrer pied ou m'a gagné dans la mer. Vous l'avez. Vous êtes un acteur politique, vous êtes à gérer l'État, vous n'avez pas responsabilité, il y a un dialogue là. Maintenant. Vous comprenez, vous dites tout à l'heure, Gary, je vais prendre un petit temps pour me répondre. Vas-y. Parce que là, vous parlez moins comme si nous avons voyé Jean-Bertrand Aristide aller, nous avons renversé son président, nous voulons voyer l'autre président aller. Là, le monde a l'élection. Il y a l'élection, c'est sa démocratie. Oui. Vous prenez le pouvoir, et puis vous dites, il y a bon pouvoir, et c'est ça, on va y venir, on fait choses à eux. On fait choses à eux. Bon pouvoir, en retour, ou à bas résultat. Maintenant, est-ce que il y a un résultat? Moi-même, en tant que journaliste, je ne sais pas si vous voulez répondre. Mm-hmm. Maintenant, dans le flèche, ça, je me dis, OK, il y a un bon pouvoir, même s'il est contesté, contestable, mm-hmm. avec, par rapport à nombre de monde qui est dans la population. Mais en retour, pas qu'un résultat. Il y a un pays qui est écrasé, il y a un pays qui est méconnaissable, et il y a un pays qui pas gouverné, mm-hmm. qui pas géré. Donc si pas et pas moi-même qui c'est pas Edmond Bozil ni parti politique, c'est quelqu'un me dit bataille ça mes amis. C'est pas bataille pas parti politique seulement lié monsieur dame qui attendait émission. Nous-mêmes qui fait émission avec nous. Son bataille de société. Haïti pas qu'à continuer sous pente ça, nous besoin des monde qui pi avisé, des monde qui connent l'état, qui d'accord est prêt pour prendre l'état. D'accord. Donc, c'est ma cour. Mais je vais continuer. Est-ce que vous avez un monde qui est le Walson Sano? Et Walson Sano, c'est un. Je ne pas songer s'il était. Nous étions au collège dans Bozil avec. Je ne pas songer. Vraiment, pas songer s'il était élève, nous. Ou bien s'il était professionnel. C'est pas Walson Sano. Oui, oui. Okay. Mais on connaît le même pas songer. Mais il ne va jamais parler avant du tout pendant une période difficile. Moi, j'étais croisé avec lui une seule fois en 2019. En 2019. Une seule fois. Bon, j'ai cité son nom, c'est de manière exprès. C'est-à-dire, pour qui raison citer nom? C'est lui qui tente d'enclencher les pourparlers. Ok. Pour arriver probablement à une négociation. Parce que c'est lui qui a rencontré la parole avec Dera, la parole à Beauplan, la parole à Jovenel, la parole avec tout le monde, la parole avec MTV, la parole à Yuri. Est-ce que même une fois, l'équipe ça n'a pas jamais rencontré l'équipe PAN? Non. Non. Nous n'avons jamais entendu parler non, de ça. Non. Du tout. Non. Non. Bon. Moi-même, je n'ai pas de téléphone. Oui. Ça. Là, fait, tout, nous avons dit, campagne tout à l'heure, pas qu'en quel côté moi j'ai un dialogue à parler que au sein de l'opposition quand on te pose une question non, je ne sais plus bon, ok d'accord mais c'est pas question ma pose ou dit on parlait qui existait donc Walson Sano a rencontré depuis plusieurs mois et des rencontres qui étaient faites. André Michel t'es participé dans rencontre André Michel qui a attaqué Walson Sano et aujourd'hui il t'es rencontré donc dans dernière réunion qui fait même Kay et Valier Beauplan. André Michel félicitait Madame Walson tellement li prend négociation à cœur. Jodia, qui s'acrivait gon bon gon l'opposition, gon deuxième bon gon l'autre groupe qui dans l'opposition. Ou qu'on est, il y a des monde qui pas chita avec nous mais qui dans l'opposition tout. Qui gens nous pral mettre l'opposition pour nous faire un tout de façon à ce que nous dynamiser revendication et faciliter un dénouement de la crise. Ou même pas parler avec Jovenel, dit de la crise. Ou dit, où est la tête des dires de Watson Sano que me tendait tout sous Magique et sous Magique Magique 9 matin, parce que l'option fait sous toute radio. Oui. Donc, ou citer non et Sano,
bon, ça veut dire que ça non dit un bagaille. Maintenant, on pas connaît si effectivement André Michel t'a félicité madame, ça je ne sais pas. On pas abonder dans le bagaille. Non mais moi je confirme qu'André Michel rencontre ça non comme ami tout le temps et qu'on a la caillou. On pas connu ça. Mais non. Bah c'est le cadre de négociation. Moi connais que Wasson ça non t'es dans le secteur démocratique et pas dans longtemps. Oui, c'est ça. Maintenant, il dit que depuis mars, il va participer dans la réunion depuis mars 2020. Oui, il va participer. OK. Donc ça veut dire que si ou mars à octobre, ça fait beaucoup hein. Lors de structure politique même dans fusion, on pas capable. Non, la fonction de manière permanente. De manière permanente, oui. On va gérer une crise de manière permanente, on pense qu'on doit chiter ensemble. Maintenant moi-même m'a dit que je pas voulu rentrer dans quelle que soit famille politique ou famille nucléaire. Moi tout est dit, m'a pour dire qu'a gagné des hauts et des bas, qu'a gagné des points que on pas qu'à mettre d'accord sur des stratégies que définit et nous toutes par elles mêmes gens. Moi me dit que c'est normal parce que moi non dynamique côté que c'est moun qui l'adore, c'est pas bête, c'est pas chose. Oui, oui, oui. Donc c'est normal capable gagner des moments de hauts et des bas et qu'a gagner des problèmes en dans structure politique. C'est pas ça que sorcier ça nous pour nous mettre solide qu'on y a là, c'est que pas gagner en quelle disposition en quel préalable pour moun parler de dialogue politique. Okay. Ça faut le clair pour tout le monde parce que moi nous même on fait discussion politique nous même dans regroupement. C'est pas un regroupement Gary, c'est un espace. C'est un espace côté que parti politique ont défini des unités d'action et espace ça nous relève la direction politique de l'opposition et nous mettons d'accord sur des unités d'action, jouons nos solutions pour nous sortir de la crise là et d'accord pour que bon feuille de route que tout le monde a respecté et n'a pas signé un accord entre nous pour respecter feuille de route là et puis pour nous d'accord que a gagné un gouvernement de rupture. Gouvernement de rupture ça, et ça veut dire. C'est nous-mêmes qui avons vu Navel. C'est-à-dire, nous avons mis le président, le premier ministre, tout le monde. Même parce que nous pourquoi là. Nous pourquoi là, puisque nous disons que la direction politique de l'opposition mettait au travail. Nous, hier, nous réunis. Demain, nous réunis. Tout week-end, nous réunis. Nous décrétons la permanence. Nous décrétons la permanence. Non. Leadership collectif ça qui a dégagé dans mi temps nous et avec des responsabilités que nous bail chaque monde des groupes nous pour nous avancer vers d'autres groupes de la société civile et vers d'autres organisations politiques. Direction politique c'est ça. Première tâche que nous bail tête nous là. Madame Bozil, direction politique ça. Et est-ce que le petit Dessalines il y a famille Lavalas? Non, il y a pas là-dedans puisque depuis en mai et il y a pas participé dans première démarche là. Il était invité mais pas venu. Yo pas de venir dans première réunion, première rencontre sur c'est dans Covid là nous commençons en mai. Nous yo t'ai invité tous les deux dans première rencontre Zoom là, yo pas de venir et yo invité au dans deuxième rencontre là encore yo pas participé puis nous continuer sans yo. Mais c'est deux parties. Mais nous constater tout gagner. Mais deux parties important hein, quand même. Mais oui, bon mes amis, mais Gary bambon si bagaille. Ou c'est directeur Scoop, un tel c'est directeur l'autre radio, une telle son direction ou pas même approche chaque yo. Donc maintenant même si on t'a dit que on va faire poule de radio, il y a qui dit que moi même pas veler dans poule côté garibé proche allié. Est-ce que vous capable avec ça si non, pas du tout. Tu es d'accord avec moi? Au contraire, bon exemple bon ministre vous banani ami ni rien moi. Donc ben bon ça même. Donc c'est pour tout ça. Je te le dis, non je ne sais même pas. C'est approche pas en tant que moi même c'est professeur, en tant que pédagogue, juste pour image vous expliquer. Donc ça veut dire que si ou t'as gagné un groupe de monde qui dit moi pas d'accord pour moi une association de médias cigare là-dedans ou pas tuer tête pour ça. Non, pas donc maintenant tout. Ou qu'à chercher qu'on est pour qui vole les raison. Quelle raison nous gagner si gagner bagarre gagner faut me faire pour que gagner pour me changer m'a changer parce que me t'arrêter une association ou d'accord. Oui, d'accord donc ça veut dire que mais comme professeur tout dit mais est-ce qu'on fait des matchs là pour qu'on raison et moi seulement garder moi dit que gagne démarche de mettre ensemble qu'a fait là. Dans la démarche de mettre ensemble, que me féliciter tout. Bien sûr. Depuis c'est pas démarche pour m'avoir beaucoup de points, mais démarche pour moi que nous mettons ensemble, me féliciter. Mais ouais, que famille Lavalas avec Front et Forum Papaye, ils font pôle politique. Donc c'est à encourager.
Pour moi, c'est une bonne démarche, je me félicite. Ils font une bonne démarche, ils ont un pôle politique. Nous-mêmes, cette direction politique de l'opposition est un pôle politique. Non, c'est important. Vous comprenez? C'est un pôle politique que nous constituons. Et maintenant, quand je dis que nous restons ouverts, nous allons vers les autres pôles politiques. Je passe la parole à Marco, mais avant, je dois te demander, Mme Bouzil, est-ce que pôle politique ça a la paix durée, premièrement, dans la bataille qu'on a fait pour renverser le pouvoir, pour nous mettre un autre gouvernement. Et puis, Paul, là, est-ce qu'on a fait effort pour Paul politique, ça, qu'abaille un candidat unique? Moi, je suis bien content. Honnêtement, c'est souhait pour moi. Je vous assure. C'est mon souhait. Et moi, tout dit, c'est pas une discussion de fête, la fusion. Son point de vue, oui. Je prends l'engagement. Oui. Moi, je prends l'engagement de le dire. Moi, c'est mon point de vue parce que nous pas souhaité que nous allions dans une dynamique. 1000 candidats encore chantés là. Oui. Parce que même le peuple haïtien, moi j'ai toujours dit le peuple haïtien, il a mérité, mais il n'y a pas de trop misère. Vous avez dit là? Moi je connais, oui. Mais il n'y a pas de trop misère. Il y a besoin que l'élite politique là. Parce que l'élite là, il y a une définition. Jean Prasmas dit, nous avons une vocation. Et c'est quoi que son appel, m'a dit dans le scoop, et pour le côté m'a dit, c'est pas que moi, direction fête jeudi dernier. Pas coupé tête, moi, comme dit, moi-même, honnêtement, messieurs, dames, qui n'ont pour le politique, ça, c'est un souhait, comme tu as aimé, que nous mettions tête nous ensemble, et que nous contribuions, nous baillons le ton pour nous contribuer, j'en nous dis, dans la première déclaration d'engagement, première entente que nous jouons entre nous, c'est la déclaration d'engagement du 20 juillet 2020. Dans la première entente, là, il y a un point qui dit, nous prenons engagement que nous prenons contribuer pour nous réduire le nombre de partis politiques dans le pays. Oh. C'est ce qui est écrit dans ce document déjà. Nous prenons engagement pour nous travailler entre nous, pour nous faire tout ça possible pour nous garder si qu'il y a une plateforme et gagner un nombre réduit de partis politiques qui participent à l'élection. C'est un engagement qui est déjà pris. Mais maintenant, on parle de candidat à la présidence. C'est mon souhait que nous mettions d'accord. Écoute, depuis son équipe, c'est une équipe, président ou président de la République, lycée ou serviteur, pas l'autre bagaille. Un serviteur qui, c'est une équipe. Haïti besoin d'équipe qui peut gérer. Haïti pas besoin de 5. Haïti besoin des gens avisés, des gens qui ont expérience, des gens qui ont formation, des gens qui sont capables de faire consensus, qui sont prendre recul pour ne pas conjuguer le verbe là avec je. Et puis nous dit c'est nous. C'est ça, m'quoi. Très bien. Et Mbal Baymako, mais il faut me dire, et à part, et suite à un message ça, que Mme Bouzil lance, moi-même, je crois que nécessaire pour me dire, qui dans la direction politique, yo, si c'est des marches ça, vous faites, ce coup, papa, compagnon. Ah, bon, engagement formel, nous donnez formel, là. Formel. Nous donnez formel, tout le monde nous si donne cette direction. C'est son bail. C'est une direction, oui. Ouais. Bon, ouais. OK. Bon. Et ma salue Madame Bouzil, et bonjour, première question à poser où et nous à moins de 120 jours ouais. De mandat, de fin mandat Jovenel Moïse là, si vous comprenez l'intervention là, parce qu'on dit mandat la fini, c'est février. Et pas moi qui dis, la constitution haïtienne qui dit ça. Ok. Étant à moins de 120 jours, et nous, certainement, nous avons une direction politique, mais tout le monde remarque et qui j'ai une conjoncture là, et qui j'ai un parti politique qui a évolué en tant que conjoncture là. Dans un même moment, Haïti différent, peut-être, parce que depuis que je suis petit, je suis en Haïti qui est bon. Parce que depuis que je suis petit, tout le temps, je parle de transition. Parce que imaginez, depuis que je suis petit, je me lève dans Jean-Claude. Jean-Claude Duvalier allait, et dans Jean-Claude, je me lève. À jour, je me tout le temps de transition. Et moi, je trouve que tu as remis une transition faite dans le pays pour être à la dernière vraie. Et tu as résolu tout le problème que nous gagnons, peut-être sur le plan social, sur le plan politique, sur tout le pays qui a développé. Et nous te suivons Convergence démocratique très bien dans l'année 2000. Yo. Et en pile, mon estimé, son structure qui était bien planifiée, qui était bien organisée, solide. Malgré tout, ça qui est arrivé, a réussi d'aller 2 ans après, René Breval prend le pouvoir. À moins de 120 jours, à moins de 4 mois de fin mandat, Jovenel Moïse, à quel niveau senti comme si nous préparer pour ne pas tomber dans la même santé? Parce que assez souvent, la population en gourmet, en pile là, dans le mourir, l'idée politique ont expliqué qu'il y a un paquet de bagailles, on va changer la ville, il y a un autre contrat, il y a un paquet de bagailles, et puis nous retomber dans la même bagaille encore.
Et dernièrement, nous avons fait un an là avec privé. Tout le monde dit transition pour faire élection, pour élection qui est bon, pour élection en fait. Semble l'élection était pi pas bon. Pi mal que toute élection. Si nous comprenons, j'ai un pile leader politique expliqué. Faut-il parler de ça? Merci Marco, je salue tout. Et c'est un plaisir de partager le panel là avec. Mabdou, bon, pas panel là, c'est journaliste, oui. Plateau. Moi-même, Mabdou, Marco, que analyse injuste. Que c'est pour question poser son analyse qu'on fait ou regarder moi-même comment moi on analyse ça. Mais même m'a dit que et t'a dit même j'avais tout t'aimer mon autre pays. M'aimer mon autre pays côté que tout haïtien senti yo envie vivre bien. M'aimer mon autre pays côté que m'a pas gagné éducation au rabais. M'aimer mon autre pays côté que moralité prend le dessus là-dedans. Je m'a regardé ça qui a passé dans espace l'école yo. Si mon a gromé professeur directeur bat ti moun nan tête coup de poing et ti moun du jeune a fait sexe public a filmé c'est des bagay que ni pas quoi ou même encore ou t'es connu j'aime t'entendre ou t'es espéré ouais ça. Ou d'accord avec. Oui, espéré. Donc on pas quoi personne t'es espéré que société haïtienne t'a décrémé nan niveau ni là en 2020. Et moi toujours dit que c'est pas un hasard. Et c'est pour ça que me toujours dit tout le monde quelque part faut nous voyer doit pousser là sous genou nous chaque responsabilité pas à quel moment de la durée me pas prendre responsabilité pas même si me doit prendre gain monde qui gain plus responsabilité que l'autre mais faut que chaque haïtien haïtienne jodi qui dans 25 ans commencer par réfléchir qui ça en tant que est-ce que me gain conscience citoyenne que moi utiliser pour permettre que me prendre responsabilité et faire face carré à toute dérive qu'a fait en société à mal gouvernance qui gain dans pays donc ceci étant dit, ça que nous vivons dans le passé après convergence démocratique, la question c'est pour dire que, mais qui ça qui empêchait de nous prendre l'élection, nous avons un seul candidat. Et c'est ça, nous avons parlé à Gary tout à l'heure, comment tirer le son du passé. Et c'est pour ça que nous intégrer point ça dans le document que nous signons ensemble. Non. Comment tirer le son du passé pour ne pas répéter même bêtises pour que nous prenions dans l'élection et que nous toutes qui mettons nous ensemble, nous chaque candidat. Comment nous prenons un recul pour nous dire que moi-même, écoute, ce n'est pas inévitablement candidat à tout prix, ce n'est pas ça. Mais qui gens pour me un beau candidat ou un beau candidate et que nous connaissons ça, le lila, je n'ai pas de problème, je lui inspire confiance et que le lila, je connais moins clair tout. Et que paysan c'est lui qui le bénéficier paysan c'est pas un gouvernement que même des gouvernements parler de tout pouvoir c'est pas de un pouvoir de bandit que m'pral gagner le pouvoir judiciaire ne fonctionne pas le pouvoir législatif ne fonctionne pas le pouvoir exécutif c'est ça nous vivre c'est ça vivre Marco oui. Depuis où commencer depuis où gain 25 ans ou a regarder comment y a géré l'état ou gain trois pouvoirs c'est yo porter nos trois pouvoirs pas gagne un nan yo qui a capacité pour être l'autre moi même moi était dans pouvoir législatif là j'ai vécu pas gagne aucun capacité pour yon pouvoir être l'autre moi sénateur moi dit m'ta remet que ministère éducation nationale joue rôle li pour faut que l'argent y a prend sous diaspora nan FNEA que l'utiliser à bon escient moi voulais poser ministre en question moi va l'inviter OK commission éducation que m'a présidé a d'accord pour me faire Marco mais au moment que réunion conférence des présidents fini m'a sorti dans porte là téléphone me sonné beaucoup j'ai d'accord commission fait pour faire mais téléphone me sonné madame Bozil qui ça me gagne dit c'est qui c'est le ministre de l'éducation nationale dit oh donc ou pas capable gérer l'état et me dit m'a pour dit si nous pas d'accord que société a mérité renouveler dans pratique li. Si nous pas d'accord qu'on nécessité pour nous faire une campagne massive d'éducation civique pour tout le monde même quel que soit le niveau monde nous besoin faire une campagne d'éducation civique pour changer mentalité monde c'est ça m'relé et société renouvelée nous pas gagner l'autre pays a vraiment Marco ou pas gagner l'autre pays si nous pas prendre engagement aujourd'hui a que et ouen te faire mes amis écoute comment pour ne pas comprendre que nous pas capable faire une transition là si nous commençons à dire ma coupe pas la donne, la balasse pas la donne, PHTK pas la donne, non. Nous dit nous-mêmes,
la direction politique de l'opposition, nous sommes ouverts d'abord entre nous de l'opposition pour nous joindre à un accord de sortie de crise et nous attendons le geste, l'ultime geste de président Jovenel Moïse. Quand on dit le nombre de mois qui était nous là pour nous arriver dans le fin de mandat président, nous attendons cet ultime geste du président qu'il fasse une annonce, une adresse à la nation pour dire que moi-même, je ne peux pas quitter que bon affrontement entre gangs armés et population. Je ne peux pas quitter que pays et qui aujourd'hui a considéré comme un pays failli. Je ne sais pas si Jovenel Moïse, je m'a fait discours pour vous, Jovenel Moïse. Nous avons aimé que ou prend responsabilité ou, pour éviter un bain de sang dans le pays, ça, pour un affrontement dans le pays, ça, pendant qu'on prend le dit et tout que j'accepte de respecter la Constitution, mon mandat arrive à terme le 7 février 2021 et je t'aimais préparer transition, je hein, t'aimais so, en sortie honorable, je t'aimais que et direction politique de l'opposition hein, désigner des mounes pour préparer sortie pour que nous pas la guépée dans le tchouboum. C'est mon souhait. Bon, bon, sauf que vous connaissez. C'est mon souhait. Si je veux nous regarder là et la souris parce que dans tête pâle, le mandat a fini 7 février 2022. Donc, ça, c'est un bagaille. Mais plus préoccupation que je veux, Mme Bozil, n'est pas même venu dans le niveau et fait choix de un candidat. Mais c'est plutôt par rapport à l'ensemble de problèmes que nous dit que nous avons dans le pays. Ouais. Et nous dit problèmes à eux pour nous résoudre, faut que nous allons faire notre transition. Il me donne des gants pile et éléments comme thème de référence. Il me parle de une nouvelle constitution, il me parle de procès Petro-Caribé, et il me parle de élections, de grands paquets de bagailles en donne. Moi, je vais retourner avec question presque dans le même angle. À moins de 120 jours, et qu'en est-il du gouvernement qui va remplacer Jovenel Moïse? Puisque si depuis jeudi, nous pouvons connaître, nous risquer tomber sous ça, nous tomber en 2004 là, à risquer de finaler, bataille la fin faite, et puis après ça, et ouais, Gojera, Gojera vient là, et puis il vient diriger. Donc, pas qu'un terme de référence qui est en application, ils font un gouvernement de transition pendant 2 ans, et puis après ça, nous retombons dans le même bagage encore. Donc, jeudi, nous avons connaît qui ça qui a fait? Parce que Jovenel Moïse Alia, c'est une, mais possibilité de gagner pour nous mettre un gouvernement qui est capable d'embrasser toute revendication que nous gagnons pour nous faire la dernière transition, nous sentons beaucoup là. Ou senti l'hypoko là, même pense que gen pile travail que nous fait dans direction politique opposition, même pense que nous, même si que nous te mettons d'accord sur comment nous ouais gouvernement de transition, inévitablement a gen un gouvernement de transition, élection pas possible dans l'atmosphère ça, et même pense que CEP bidon ça, qui normalement avec qui rentre dans l'espace CEP avec une usurpation de titre sans ou pas prêter serment par devant la Cour de cassation, yo connaît que yo ka traîné devant la justice à n'importe qui moment. Donc, et ou techniquement, le cadre de dialogue là, et ou d'accord avec mon gouvernement, imaginons dans 2 ans, il émet 1,6 million entre guillemets. On dit entre guillemets, parce que je ne connais pas si vous-même comme journaliste, ou connaît que des gens qui ont 6-4 dans la main. Par contre, sous compte ça. Quel monde y a 6-4? Quel monde qui a 6-4? Même quel monde qui on membre fusion. 6-4 dermalogue. 6-4 dermalogue. On membre fusion, dirigeant fusion. Il pas voulu exposer ti moun nan, qui fait que son monde la caille. Il pas voulu exposer, qui fait que le pas voulu banou photocopie 4. Nous t'as qu'à utiliser politiquement effectivement dans atmosphère de sécurité que pouvoir créer pour nous, nous pas voulons et exposer demoiselle là. Mais il y a un monde qui gagne 6-4 dans 1,6 million. Imaginons que si je pile monde qui gagne 6-4, par contre, vous comprenez ça, me dit, non? Ça veut dire que je pas même gagner 1,6 million de cartes qui émettent. Donc, techniquement, politiquement, élection impossible, techniquement, élection impossible. Donc, Jovenel Moïse, rivé dans fait mandat, il n'a pas réussi à respecter l'échéance constitutionnelle. Yo. Donc, je dis, hein, en tant que politique, mais d'accord avoir, ou pourquoi nous baillons qui proposition. Je ne peux pas faire proposition pour me dire que nous mettons d'accord sur proposition. Mais effectivement, c'est une nécessité. Une nécessité au plus vite avant la fin de l'année. Mais quoi que avant la fin de l'année, nous pas parler de non, mais nous montrer nation que il y a une proposition de sortie de crise acceptée par tous les acteurs, tant politiques
et que de la société civile qui d'accord, mais qui forme transition pral prend, mais qui côté n'a besoin de premier ministre. Mais qui critère cap défini pour nous capables mettre premier ministre en place, mais qui critère cap défini pour nous capables faire dialogue national non. Vous pensez que c'est à feuille de route transition ou bien feuille de route direction politique là? Oh non, 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 c'est à feuille de route transition. La direction politique joue un rôle en tant que politique. Nous sommes les premiers concernés par les élections. En tant que politique, élite politique, son responsabilité que nous gagnons, une responsabilité morale que nous gagnons en tant qu'élite politique pour nous faire job ça. C'est vrai que ce n'est pas toutefois que vous comprenez. Est-ce que nous-mêmes, ou même comme journaliste, est-ce que j'en pose cette question pour moi dire comment la politique fonctionne, comment on vive, comment on vit la pression qui gagne dans la situation qu'on a dit là. Toute question à poser, je ne pas dire son pression. Ils font pression sur moi. Puisque ils m'ont demandé, il faut aller plus vite. Il ne vous reste que 4 mois, il faut aller plus vite. Moi, je crois que tous les collègues politiques captandem, tous les secteurs de la vie nationale captandem, nous prenons engagement pour nous faire retraite en fin de semaine. Et je pense que toutes ces préoccupations, les préoccupations, nous analysons déjà. Et je pense qu'au plus vite, nous sommes en mesure pour informer la société à qui côté, comment bac, nous prenons le mener bac et transition. Mais maintenant, il est clair que, mes amis, il faut que les gens qui prennent gérer l'État aient autonomie et prennent responsabilité. Pas gagné dit que c'est un de parti politique yo que le premier ministre a sorti. Pas gagné dit qui est-ce qui gens comment structure yo pral fait pour que nous pour qu'on clair sur ça yo d'accord ensemble avoir. Mais ça qui sûr critère yo nous clair sur comment pour monde tailler pour que les capables vienne prendre tête et pour participer dans un gouvernement de rupture. Ceci étant dit, la feuille de route est présentée déjà que nous travaillons sur lui déjà. Les gains la donne effectivement cette révision constitutionnelle. Les gains la donne le dialogue national. Mais nous pensons que le premier bagage qu'a fait lancer le dialogue national et ensuite aller vers la révision constitutionnelle. Et nous proposer tout que, et après, c'est après deux gros chantiers sérieux que nous sommes capables de rentrer dans l'élection générale. Qui pourra dire ce démocratique là pour lui-même qui prend le lead? Moi, je pensais que. Nous sommes les partis politiques majeurs de ce pays, quand même. Moi, c'est que c'est écoute. Moi, je pense que c'est pas une question de poids ou pas poids. Nous sommes les partis politiques de ce pays. Nous sommes les organisations politiques qui ne pas ignorer que il y a d'autres forces politiques. Même nous dit, nous allons vers les autres. J'ai dit ça tout à l'heure. Mais pas seulement les structures politiques, mais nous dit que nous allons aller vers d'autres pendant organisations de la société civile. Pendant que vous dites que vous êtes les partis politiques majeurs du pays, et le PHTK, c'est le parti au pouvoir. Donc ça a été élu premier dans l'élection. Oui, d'accord. Et la paix. Mais vous répondez déjà, oui. Vous répondez déjà. Parti, nous disons déjà, oui. Ou pas cap dit ou a fond dialogue national, ou pas cap dit que ou a fond dialogue ou a fond accord politique pour la transition, pour pas prendre en compte le PHTK et ses alliés. On te dit ça ou pas là peut-être? Non, là oui, ou pas qui me fait poser question. On prend PHTK, mais on commence avec elle parce que c'est parti qui au pouvoir, ça vient dans la dernière élection, et qui est venu en première position. Et la paix de Hector Anacassis qui était gagné juste le second candidat. T'es deuxième. Petit Dessaline de Maurice Jean-Charles, t'es troisième. Famille Lavalas dans l'élection, t'es quatrième. Et Monsieur Éric Jean-Baptiste, Fusion, t'es sixième. Donc ça veut dire que qui ça nous fait comme si comme si m'a prend en termes de rang. Donc à partir de la dernière élection, il y a 4 ou 7 partis politiques qui étaient en tête dans l'élection. Et puis, il n'y a pas de direction. Politique là, est-ce que ça n'a pas qu'à traduire au manque de légitimité pour nous porter un bail comme ça? Marco, comme ça, m'a dit dans le pays d'Haïti. M'a dit dans le pays d'Haïti, indicateur ça, il n'est pas valable. Je ne sais pas si il est valable dans notre pays. Il est valable dans notre pays, mais pas là quand même. Indicateur qui dit, c'est en fonction du résultat de l'élection puis au classé parti politique. Là, moi, je refuse. Et je refuse. Je refuse. Quel est l'autre approche? Écoute. L'autre approche, c'est ça réel que moi. Ya. Parce que faut que nous d'accord, ça crée les partis politiques dans le pays, ça crée les organisations politiques qui travaillent dans le pays. Ya.
Donc, l'homme regarde les partis qui sont dans l'opposition, voici les partis qui sont dans l'opposition. Et maintenant, je ne suis pas capable de prendre l'indicateur au bon moyen parce que nous comptons comment l'élection faite dans le pays. Moi-même, je ne vais pas le faire, je ne vais pas prendre ça pour m'analyser pour vous. Pour l'élection 2015, là, l'homme était campé pour nous dire nous comptons l'élection ça. Comme mon papa le reprenait parce que je ne sais pas quoi nous temps pour ça, mais fusion passe en pile misère dans l'élection 2015. Ils ont tué candidat, nous. Ils ont coupé les oreilles, même fusion. Ils ont battu, même fusion. Donc, c'est comme si nous avions l'impression que nous étions cibles à abattre dans l'élection 2015. Là. Dans tout sens. Tout sens. Mm-hmm. Donc, je dis ainsi, je pense qu'il y a un rapport. Je suppose qu'il y a un rapport RNDDH, il y a un autre rapport qui doit parler de ça. Mais nous étions alerté opinion publique là, nous t'ai écrit CEPA pour nous dire violence que nous avons subi. Alors sur qui base, nous subi toute bagarre ça là et pour pral dire me comme ça que moi-même par rapport à Ram dans l'élection et c'est ça que pral fait que me considérer d'être comme un acteur véritable dans non en Haïti nous beaucoup là. Mais est-ce que ça veut dire que je vais c'est une démarche rejeter ou dans revers demain. Oh non, je n'ai écoute, me pas pour rejeter personne. Donc, ça ici est mieux. Je suis capable de critiquer. Je suis critiquer quel que soit. Je suis critiquer un individu, je suis capable de critiquer au mode de faire et d'agir. Au mode et d'être au monde. Mais je suis critiquer le système politique, le système judiciaire qui est trop faible. Je suis critiquer tout ça. Mais maintenant, je dis, s'agissant de terrain politique, là, ou pas grand qu'une solution, aucun monde capable de joindre pour continuer. Il faut ou faire ouverture et aller vers les autres. Et c'est pour ça que fait que sous tes documents, direction politique l'a présenté la conférence de presse, non, c'est le premier point, oui, mandat. Mandat direction politique, là, c'est aller vers les autres. Convaincre les autres, il faut qu'on se mette ensemble pour jouer une bout de crise là. C'est ça nous dit dans direction politique. Et quand tu n'as pas regardé, je dis à Mme Bozil, m'attendez. Un ancien sénateur tant que Ronnie Modestin et qui a parlé de Maurice Jean-Charles et d'après de Maurice Jean-Charles qui t'a parlé de où d'après de vous-même qui a parlé de Maurice Jean-Charles d'après de Maurice Jean-Charles qui a parlé de Nenel Kassi moi ouais tweet André Michel qui a parlé de secteur démocratique et populaire là et donc lui-même Nenel Kassi Majorie Michel il va dans négociation il va contre pour reste monde qui est dans le secteur. Ou pensez ça yo pas empêcher nous joindre un véritable consensus pour qu'on fait de route qui fait unanimité dans moins de 4 mois? Moi-même, moi j'étais quoi que qu'il y a une possibilité puisque déjà le secteur démocratique et populaire est présent dans la direction politique de l'opposition. Tout comme le secteur démocratique et populaire négocie. Je ne suis pas informé de cela dans la mesure où beaucoup de gens moyennes qui prennent la première micro pour dire. Ou pas ouais tweet André Michel là. Matin. Oui. Non, au cas d'il pour moi même pas tout. Second tweet, dans tweet là, il dit que gagné lui-même André Michel, Majorie Michel, Nenel Kassi, il a pas non négocié pour joindre consensus avec gouvernement en place là. C'est-à-dire que reste Mounio. Est-ce que tout, bon, de toutes les manières, je quitte un petit bémol solide dans la mesure où je dis que dans quelle que soit la famille politique, ça t'est passé la carrière dans la fusion. Nous résoudons les. Ça s'arrange. Oh oui, nous jouons l'unité, nous et cohésion interne. Okay. Et je t'ai dit ça tout à l'heure. Déjà, je t'ai parlé de lui, comment on apprend bientôt, dans deux ans et demi, pas bientôt. Deux ans et demi, c'est demain. Oui, c'est on apprend à préparer le congrès pour renouveler la direction et puis, madame, fini. Ok? Moi, depuis que je dis, je tout dit publiquement pour si je suis candidat, je vais commencer à faire campagne, madame, fini. Donc, moi, tandis, c'est vrai que l'autant des paroles, division ça, parole, déclaration.